Alice Mull, on est ici ce soir à l'Union. Vous êtes la capitaine de XL. C'est la seule équipe qui a battu l'Union cette saison, hein, et aussi depuis qu'ils ont refait une équipe féminine. Effectivement, donc ce match aller début septembre où on avait battu cette équipe, un match très particulier pour nous. C'était un beau match et on est quand même assez fiers d'être la seule équipe à avoir bousculé cette équipe. On espère réitérer, j'ai pas envie de dire l'exploit parce qu'on sait que c'est à notre portée, mais réitérer ça ce soir. Donc à voir maintenant comment ça se passait. En tout cas, notre force collective qu'on avait au match aller est toujours là et c'est surtout sur elle qu'on comptera pour déstabiliser cette belle équipe. Oui, et après le match contre l'Union, comment tout s'est passé après ? Une belle fête, ça fait aussi partie de nos qualités et c'est aussi pourquoi on est si bien. Donc une grande fête avec tous nos supporters qui étaient venus. Il faut savoir que pour nous l'Union c'est un match particulier car beaucoup soutiennent l'équipe masculine, mais cette fois-ci ils avaient choisi de revêtir des couleurs vertes et blanches. Donc une grande fête, beaucoup de bonheur et partagé avec nos supporters. Oui. Vous venez de la France pour jouer en Belgique, c'est quelque chose de particulier ? Oui et non, j'ai joué au foot depuis de nombreuses années déjà, donc en arrivant ici c'était pour moi une évidence de devoir chercher une équipe et je crois que je suis très chanceuse d'avoir trouvé cette équipe d'XL où on peut combiner et le plaisir de jouer, le niveau, l'ambiance, vraiment les filles que j'ai rencontrées sont incroyables, donc je serai sûrement là encore pour quelques années. Oui, et quel est le but pour XL encore cette saison ? Donc vous avez déjà battu Union, ce soir vous les rencontrez aussi, et puis c'est surtout l'amateurisme je pense, hein, XL ? C'est vrai, je pense qu'on n'est pas l'équipe prioritaire du club, en tout cas on est monté en P1 il n'y a pas très longtemps, le coach a annoncé un objectif top 5 au début de l'année, qu'on fait plutôt, pour l'instant on remplit en tout cas. Donc faire le meilleur classement possible. Cette année, tous les matchs sont chouettes. Chaque match est un challenge et on prend beaucoup de plaisir. Donc continuer pour arriver le plus haut possible et continuer à faire des gros matchs contre les grosses équipes que sont l'Union, le White Star. On sait faire, donc on va pas s'en priver. Ok, je vous remercie et bonne chance pour ce soir. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Mouna Troop, on est ici aujourd'hui à Saint-Gilles pour le match Union contre XL. XL est la seule équipe qui a battu Union cette année et aussi depuis qu'ils sont revenus dans le foot féminin. Qu'est-ce que ça fait pour vous autres ? C'était un peu une surprise au départ, mais quelque part je crois que c'était mérité parce que le match, on a directement marqué, on était directement dans le match. Je crois que j'ai marqué à la 9e minute. Donc en gros, je crois qu'elle ne s'attendait pas à ça et ça sentait aussi peut-être que c'était une nouvelle équipe. Nous, on avait aussi des nouvelles joueuses, mais voilà, on a joué haut. Et après, à la seconde mi-temps, à la seconde partie du jeu, elles ont essayé de remonter. Mais voilà, nous, on essayait de se battre le plus possible et ça a payé. Donc je crois que c'était une surprise. Oui, et c'est vous qui avez mis le but. Il y avait une grande fête après ? Grosse fête. Non, mais C'était un but facile à mettre et je crois que la gardienne n'était pas très bien placée quand je l'ai mis. Donc voilà, après ça a été la surprise. Et le truc c'est que pendant les 45 premières minutes, on essayait de mettre des buts et ça marchait assez bien, on pressait assez haut. Et je crois que c'est comme ça qu'on a réussi à gagner ce match parce qu'on ne les a pas laissés rentrer au départ. Et c'est vraiment en seconde partie de jeu où elles ont changé de stratégie et où là, elles ont commencé à mettre la pression. On n'a pas cédé, donc voilà. Oui. Vous jouez déjà longtemps au foot, depuis vos 5 ans. Vous avez passé quelques clubs, j'ai entendu. Oui. Après, j'ai été blessée longtemps, donc j'ai fait une grande pause. Mais je joue depuis que j'ai 4-5 ans. Là, voilà, je viens d'avoir 27 ans, donc ça fait un petit temps. Ouais. Je suis passée par Faille le Manage,
prennent le compte. Et là, maintenant, XL depuis au moins 5 ans. Donc voilà, c'est chouette. Ok, et XL, là-bas, on joue pour le plaisir, hein, j'ai entendu. Ce qui est chouette encore avec XL, c'est qu'en effet, on a commencé en P3. On a commencé en P3 et chaque année on montait, et là maintenant on est en P1 et on est quand même bien situé dans le classement en P1. Donc je crois que ce qui est chouette dans cette équipe, c'est qu'on arrive à garder encore cet esprit bonne ambiance et en même temps avoir des bonnes joueuses et avoir un bon niveau. Donc je crois que c'est vraiment l'entre-deux entre le très sérieux et en même temps du bon foot quand même. Donc voilà, je crois que ça nous convient. Oui. Et puis finalement, est-ce que vous avez des exemples dans le foot féminin ou peut-être dans le foot masculin? Des exemples de personnes que j'admire? Oui. Alors moi, c'est à l'époque. Mais en fait, c'est même pas des joueurs. Mais moi, la personne que j'ai adorée, c'était Ferguson. À l'époque, à Manchester United. Et ça, c'était vraiment pour moi la manière dont il plaçait ses joueurs, ses choix. C'était vraiment pour moi un bon souvenir. Et sinon, Cannavaro, mais voilà, c'est tous des vieux joueurs à l'époque en Italie, quoi. Et actuellement, plus tant que ça. Après, respect pour Messi quand même, qui est gaucher. Mmh. Et je suis aussi gauchère, du coup, je crois que c'est quand même un petit clin d'œil à tous les gauchers sur les terrains de foot. Ok, voilà, on y est. Vous êtes prêts pour le match de ce soir? Inch'Allah, on touche du bois. Ok, bonne chance en tout cas, merci. Merci, merci, merci. Allez, c'est bon. Bon match. Merci. On arrive à... Non.